Bonjour tout le monde, c'est Nintendo bienvenue dans cette nouvelle présentation de deck sur ma chaîne. Alors c'est un deck que j'ai créé euh, parce que euh, ma, mon esprit a été illuminé un, un soir et il s'est dit tiens et si je faisais un deck euh, quête de la nouvelle quête en wild avec le chasseur. Alors euh, j'en ai, ai également croisé euh, un lors de ma montée en wild <laughs> au rang diamant. Je suis passé du rang 10 bronze au rang 10 diamant avec uniquement ce deck. Et je dois avoir des statistiques assez incroyables. J'ai dû perdre 3 games sur l'ensemble. Ce qui m'a permis d'avec les étoiles bonus de monter rapidement. Alors, ce deck, c'est quoi C'est un deck bien stupide, bien débile, qui va réaliser sa quête entre le tour 4 et le tour 5. Voilà, le généralement on va essayer de tour 4, l'objectif de tour 4 d'avoir accompli la quête et au tour 5 de pouvoir jouer la récompense de la quête. Parfois, et je dis bien parfois, on arrive très rarement à, euh, à le faire parfaitement. Le, le T4, on a la pièce, on peut jouer la récompense. C'est rare, il faut vraiment châter sa race, avoir que des sorts à 1 qui font des dégâts. Le sort le plus important du deck, c'est Rapid Fire pour un... Une carte, vous avez eh bien pour deux manas la récompense d'une de, des quêtes, l'un des paliers de quête qui est accompli. C'est très rapide d'arriver au pouvoir héroïque qui coûte zéro, c'est très, très intéressant d'avoir ça pour gérer tout ce qui est pirate, euh, des guerriers pirates agro. On arrive plutôt à, à être dans une combo de deck gestion. On va faire vraiment. Alors si c'est un prêtre, euh, quelque chose qui ne met pas de board, eh bien, vous, vous, vous bourrez la gueule, hein, vous mettez tous les dégâts dans la tête. Si vous avez des créatures et que euh, ben, ça va vous agresser bien bien la gueule, genre guerrier pirate, vous mettez tous vos dégâts sur les créatures pour les tuer, pour ne pas vous faire agresser, temporiser pour avoir la récompense de quête, et terminer avec du dégât brut, notamment avec les aim shots, même si vous pouvez les jouer pour faire votre quête, hein. mais c'est surtout Dragon Bane et euh, Clockwork Automaton qui vont nous permettre de faire des dégâts supplémentaires. Alors Clockwork Automaton, qu'est-ce que nous fait le Clockwork Automaton Notre pouvoir héroïque qui coûte 0 va infliger 2 points de dégâts, mais en fait il va en infliger 4, parce que ça double. Et vu qu'il se réinitialise dès qu'on joue un sort, notamment euh, euh, bien un secret de plaine qui nous donne un autre, un autre secret, donc un autre sort, et bien ça permet de faire 4, 8, 12, 16 dégâts pour finalement pas très cher. S'il reste en vie en plus, vous pouvez juste le mettre en body comme ça. Euh, l'adversaire va défaut, Enfin, vous le mettez en body, vous utilisez votre pouvoir à zéro, ça fait 4 dégâts, ça tue le serviteur, l'adversaire en face ne sait pas forcément... ne peut pas forcément le gérer. Ça nous sert, alors il faut éviter de les avoir en main de départ, c'est quand même un peu relou. On va aller voir tout de suite en game ce qui se passe le. Gros burst qui vous permet de faire plus de dégâts qu'il n'en en faut, c'est Dragon Bane évidemment. Ça vous fait 7 dégâts pour, euh, pour 0 à chaque fois que vous lancez un sort. C'est vraiment débile. Je vous ne vous demande pas. Hein, je suis passé en 10 avec. Euh, uniquement, je, je, je uniquement ce deck en, en wild. Alors je vais vous présenter quelques parties pour vous dérouler. Pour vous montrer comment ça se passe. Mais globalement, c'est très simple. Au mulligan on va aller chercher le, le tir rapide. Celui-ci. Voilà, on en a un, c'est parfait. Faut, faut même espérer avoir les deux. On prend que des sorts qui font des dégâts, qu'il commande, ça dégage parce que ça coûte trop cher. Bombtos, on le garde, c'est un bon T2 et on a la pièce, c'est plutôt cool, on peut le garder et voilà, on va garder ça. Qu'est-ce qu'on a eu un on the un c'est très bien aussi, ça nous permet de faire des dégâts versatiles. Vous voyez qu'on a déjà accompli d'ici le T4 les deux premiers paliers de la quête, T2, T3, on a accompli ben, les deux premiers paliers au T4. On va essayer d'accomplir le troisième et au T5 jouer euh, la chose, on a un aim shot, donc on joue ça, c'est très bien, on a la pièce, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de versatilité dans euh, qu'est-ce qu'on joue comme carte. Là, on va, on va juste bourrer puisqu'il ne nous joue pas de, de serviteur, ce, ce monsieur. Enfin normalement. Alors du coup, le, le bomb toss, on va éviter de, de le jouer qu'il nous puisse... Euh... Après, d'un autre côté, on a ça aussi. On a le dragon bane, ça c'est fort, on a la pièce avec dragon bane, c'est très très fort. On va juste faire le, le, le bomb toss, parce que s'il le tue, ça lui fait quand même deux dégâts, donc ça, ça rentre dans la mécanique, lui qui fasse sa quête. C'est pas bien grave, faut qu'on fasse la nôtre en priorité. Donc on va bourrer, bourrer. 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 On devrait faire notre quête. Il faut qu'on ait un autre sort à 1 qui fasse des dégâts. Comme ça au T4, on peut faire aim shot plus le petit sort à 1. Et ben bah parfait, on a l'arcane shot. Ok, donc pour le moment, euh... ça se déroule parfaitement comme prévu. Voyez-vous, le tir rapide qui va pouvoir être rejoué. Et à lui seul, nous fait avoir notre pouvoir qui coûte 0. Et on peut commencer à bourriner gratuitement 2 dégâts par tour. Au prochain tour, on lui rend quand même euh, pas mal de dégâts. Et au tour d'après, on peut même faire, euh, après avoir joué notre 7-7, Dragonbane, Pouvoir Week, pièce Pouvoir héroïque. Et on a rentré plus de dégâts qu'il n'en faut. En face, il commence à se faire bourrer la gueule. Il a quoi sur son palier, lui 2. Sur son premier palier. Tant dire qu'il y fait pas le fier avec 4 cartes. Il n'a pas joué de flux. Évidemment, si je, joue un, si je joue un sort, on va devoir jouer la pièce pour le contre-sort. Hein. Il fait juste ping. Oh, le ping passe. Oh, le ping passe. Bah ben là, on va le bourrer. Hein. Aimshot. Re4. Je vois pas trop comment il pourrait euh, me, me baiser ma 7-7. Donc, euh, on va se permettre de, la, de faire la quête. Au pire. Euh, on a une chance sur deux si je jouera le déloyal par exemple. D'avoir la, la dragon bane. Ça nous ferait chier mais d'un autre côté il fait juste... Euh... Il y a la 2-6 qui pop, il y a la 7-7 qui arrive. C'est chiant. On a une 7-7. Bon bah voilà. On gagne T4, c'est rapide, c'est efficace. Il a joué deux cartes, il est mort. <laughs> Et on est en win streak, voilà évidemment. Donc là on a fait une sortie al dente. C'est la sortie qu'on cherche à faire à tout... tout. Tout le temps. Si c'est du, du pirate en face, eh bien vous, vous gérez les créatures. Si c'est euh, du mage, bah vous mettez tout dans la gueule. Et voilà, en gros, hein, c'est un peu l'idée. Vous avez les flares contre les mages. Donc s'il y a des mages secrets, par exemple, eh bien euh, vous avez quand même ça qui peut être intéressant à garder. Parce que ça se recycle, ça coûte qu'un. Et ça peut permettre de, de gérer des secrets euh, un peu embêtants comme bloc de glace. Donc ça peut être, être intéressant de la garder. On peut prendre un match-up un peu plus lent. Euh, Est-ce que je garde le bomb toss Oui. Est-ce que je garde le flair C'est une bonne question. Ça se recycle. Je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça. T2, le T3 à la limite. Hein. Ouais, T3, on n'aura que le premier palier si on fait cette euh, courbe de mana là. Cette ligne de play. Vous voyez, je suis en 7-2 avec, avec le, le tracker. Sachant que j'ai fait la moitié des games sans le tracker. Et que à mon avis je dois en gagner une. Donc je dois être à. Alors j'ai fait combien de games pour monter Je pense que sans le tracker j'ai fait au moins pareil. Donc je dois être à 14-3 quelque chose comme ça. 14-3 ou ouais, 14-14-3, 15-4 peut-être quelque chose dans, ce... dans ces eaux-là. C'est très très c'est très très fort. <laughs> c'est très très... très très fort. Euh, on est ouais on est sur un, un win rate assez débile jusqu'au rang 10 en tout cas. Après je pense que si on rencontre des decks contre mais même des decks réno en fait on arrive à, les... à leur mettre de la pression très rapidement. Donc ils vont souvent devoir jouer leurs Zephris en soins euh, pour pas cher. Là, le soin A2 du paladin qui rend du PV. Par contre, ça serait bien que tu choisisses tes cartes. Merci. Euh... Et en fait, vous lui mettez tellement de pression. Ah bah il s'est parti. Vous voyez, on gagne tout seul avec ce deck. C'est génial. <laughs> bon, ça compte pour une victoire. C'est la première fois que ça me fait ça. Hein. Euh... Non, bah en fait... Euh, du coup, il n'a même pas le temps de jouer Renault parce que vous voyez T7. Enfin T5, vous jouez votre 7-7. Il est souvent genre au 14 PV. Si c'est vous qui aviez la pièce, eh ben, il peut jouer son reno au T6. Mais si c'est vous, c'est lui qui l'avait, eh ben, possiblement il ne peut pas la jouer. Et du coup, vous, lors de votre T6, vous pouvez faire Dragon Bane, pouvoir week euh, ça commence à faire des dégâts. Ce qui est possiblement le cas également euh, de base. Même, si, même avec 30 PV, vous pouvez facilement euh, faire avec 4 sorts Dragon Bane. Euh, lui bien le bourrer la gueule, il suffit d'avoir un rapid fire par exemple, et ça peut faire le café. Alors overwhelm on garde, bombe, toi son garde, euh, étant donné que c'est un guerrier pirate, il ne faut pas s'attendre à avoir du guerrier contrôle. Et si c'est du guerrier contrôle, on a tout notre temps de faire notre quête. Donc ces guerriers pirates, il faut pouvoir gérer ses, ses serviteurs, y compris le plus rapidement possible. On va quand même faire notre quête au tour 1. Flair, c'est pas bon dans le match-up du coup, parce que ça nous fait perdre un mana. Là, il, faut, il va nous faire euh, un pirate. Il y a Nonoï qui va popper, il y a une de deux qui va arriver. Ça arrive d'être le cas, mais par contre, vous voyez. Quand j'ai le tracker, c'est un bon match-up, le guerrier pirate. Je, je crois que j'ai gagné toutes mes games avec le, contre le pirate. On va quand même faire le bomb toss. Ça, c'est pas mal contre ces grosses créatures. Notamment ces 2-5 euh, qui infligent des dégâts parce qu'on n'a pas d'autres moyens de le gérer. Donc c'est bien de l'avoir. Ça, ok, donc c'est peut-être un guerrier contrôle. On va faire le flare, on a le rapid fire. On va falloir commencer à faire quelque chose. Est-ce que je fais pas un overwhelm sur ma... Ma propre 0-2. Parce que là, ça m'a l'air d'être un, ça m'a l'air d'être un pirate là, avec une sortie comme ça. D'un autre côté, si ça en éteint, j'ai envie de garder mes... mes sorts de dégâts. On va juste faire ça. On va faire le rapid fire, juste que comme ça au prochain tour, quoi que je fasse au niveau des dégâts, je vais pouvoir utiliser mon poérique pour gérer une autre créature. Disons qu'il fait deux pirates, je fais ça plus le plus le, le steady shot à zéro qui, qui me permet de tuer ses, ses, ses créa par exemple non, il me refait de l'arme ok bon, est... Est Alors, en fonction de ok donc c'est vraiment un guerrier contrôle très bien euh, bah, du coup on va faire euh, on va faire le piercing shot le prochain tour il va falloir que je joue les overwhelm par contre et je vais en garder un pour côté 6, pour que je puisse faire l'Overwhelm et le 7-7. Après on a ça qui va pouvoir nous, nous être très utile une fois qu'on aura joué la 7-7. Là il était, il était 4. Bon, il va probablement pouvoir se faire beaucoup d'armure. Donc va falloir essayer de garder des cartes pour euh, pouvoir le tuer assez rapidement avec Dragon Bane en fait. Ok, une shot. Alors ça, ça m'arrange pas vraiment. Parce que du coup je ne peux pas. Huh. Est-ce que je ferai pas ça là il me faut les dégâts. Persing shot c'est des dégâts. Là il joue rien, donc le problème c'est que je vais pas pour... Je vais quand même faire ça du coup. Là on a fait des dégâts. Hein. Là j'ai que des sorts que je... qui ne peuvent pas aller dans la tête, mais j'ai quand même pas mal de sorts à 1 qui peuvent y aller et au prochain tour je pourrais jouer ma 7-7. Il va probablement jouer quelque chose à un moment quand même. Non? 5 tonnes carrière ok il rejoint un tonne carrière c'est très chaud il y a les deux en doré est ce qu'il a... qu aurait le deck doré parce que pour avoir les deux comme ça en doré c'est il y a que les, les guerriers contrôle euh, masse poudre qui font ça hein. ça sent le deck euh, full gold ouais ouais ok c'est deck full gold c'est le guerrier contrôle full gold très bien tracking on fait ça. Ça c'est bien d'avoir parce que ça nous permet d'aller chercher de la carte. aller chercher du sort. Hop. C'est Tavish. C'est Tavish. Là on a voyé, prochain tour on a déjà du mana pour faire 12 dégâts là. Au Prochain tour on fait 12 dégâts. Plus 7, on arrive à 19. Il a, on a 3, mana, 3 dégâts off. Si par exemple à la place de ça et ça on avait des sorts qui faisaient des dégâts, et eh ben, c'était l'étal. Mais on peut encore attendre un tour de plus pour euh, avant de jouer ça. Hein, pour avoir un autre sort à 1 pour augmenter nos dégâts. Ce qui est pas dégueu. Et puis avec Dragon Bane, à la place de ça, bah là par contre ça coûte 1 de mana de moins et ça fait 7 dégâts au lieu de 4. Hein, donc forcément. <laughs> forcément c'est débile du cul. Hein. Dragon Bane, elle est débile. Hein. Dragon Bane avec ce deck c'est juste n'importe quoi. Ok Baroff. Il fait Barof sur ça pour le tuer. Ouais bon, c'est clairement euh, le deck full gold, mais. Qu'est-ce qu'on a là un flair. J'attends ou pas Là, faut que, faut que je j'utilise avec parcimonie mes, mes, mes sorts. Parce que là, ça représente 4 dégâts par carte. Par contre, ce qui est bien, c'est de, de chercher des, des cartes avec ça aussi. Est-ce que je tue le, le Barof Je peux. S'il y a Dragon Bane. Je pense qu'on va quand même faire le flair. Ok, on a le Rapid Fire. Étant donné que j'ai eu le Rapid Fire... Je vais avoir les dégâts, donc je peux, je peux faire le tracking. Si on peut avoir Dragon Bane dans le choix, euh, non. Est-ce qu'on prend Secret Plane qui nous donne des sorts en plus Ça peut être bien pour le tour actuel. Ouais, on va faire ça. On va essayer de lui mettre un maximum de, de dégâts. Ça, c'est pas mal. Hein. Il va probablement faire son Power Week. Hop. Vous voyez Donc, On lui met de la pression. On a mis 8 dégâts là sur le tour. On lui a pété son, son 3-2. Là S'il fait poire, oui, il se prend 5 dégâts, donc en fait il perd 3. Et au prochain tour, on lui met Et euh... eh bien on lui met les. Là on lui met 16, hein. Attendez, on met premier, il fait 4. Lui il fait re-4. ça fait 8. Et lui il fait re8. -re donc ça fait tout simplement 16. Donc on a 18. Ah ouais, bah c'est létal, hein. C'est le létal. Il aurait pu nous faire ça avec une, une armor Smith. Ah il l'a peut-être. Mais non, ça va, ça, ça perd direct dans la tête ça. Hein. Bam. Alors c'est pas obligé d'aller dans la tête, hein, mais ça va direct dans la tête. De toute façon on a l'étal hein. Bam. Bam. Et bam. Bah, et on voyez encore euh, on avait encore 5 dégâts. Hein. Donc si les 5 n'allaient pas dedans, c'était létal quand même. Voilà, c'est clair. C'est simple, c'est efficace. Il nous fait trop d'armure, on attend encore. On gère son board, on attend d'avoir Dragon Bane. De toute façon, il n'y a, a pas vraiment 30 000 solutions. Plus on va avoir de la mana, plus on va pouvoir. Euh, vu qu'il ne nous agresse pas, on va avoir des cartes. On va avoir euh, Dragonbane qui fait euh, voilà, des dégâts, des dégâts, des dégâts. Ça fait 7 pour euh, 0 mana à chaque fois qu'on joue un sort. Ça fait 7. Bam. Donc là, c'était un contrôle. Bon, bah, vous voyez, le mulligan, il s'est quand même fait euh, de la même manière. C'est un Demon Hunter. Euh, C'est probablement un aggro euh, impair. Qu'est-ce qu'on a euh, d'autre en, 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 en Elidan autre que un père Probablement rien, donc ça va être intéressant de gérer son board. T1, T2, T3. Enfin T1 ça, T2 ça, T3 ça. C'est trop lent. Lui, c'est bien de le jouer avant qu'il ne joue de créature. On va virer le aim shot, quoique. C'est bien d'avoir ça. on va quand même le virer, ça coûte trop cher pour le moment. Ok, Quick Shot, c'est bien. Parce qu'au T3, je vais pouvoir faire et quick Shot et on the hunt. Ça me permet de glisser les cartes sans utiliser la, la pièce. Vous voyez T1, T2, T3. Enfin, en fonction de s'il nous joue un autre truc. On fait ça. Si nous joue une 1-1 là maintenant, on va falloir qu'on joue la pièce. Pour casser l'agression. Si c'est une 1-2, on va pouvoir attendre. Si c'est une 1-2, on va pouvoir attendre. On va devoir attendre. On est obligé de jouer la quête au T1. Parce que sinon on perd trop de, trop de dégâts. Je ne peux, peux pas faire pièce bomb toss là sur ce tour par exemple. Je suis obligé de la quête qu'est-ce qu'il va nous faire et c'est pas un impair déjà donc c'est plutôt une bonne une bonne nouvelle il va moins nous agresser enfin il devrait moins nous agresser il nous met 4 c'est une agression correcte pour un premier tour ok il ne fait rien d'autre on a le rapid fire ça c'est très très bon est-ce que du coup je ne ferais pas plutôt on the hunt rapid fire comme ça j'ai ma 1, 1 sur le board vu qu'elle n'a pas rush par rapport à la même carte il y a rush Euh... Ça coûte autant de mana, ça c'est plus versatile. Non, je pense que j'ai pas vraiment besoin de... Non, on va garder les deux dégâts sur ça. Ça se tenait hein, d'avoir la 1-1, mais je pense pas qu'elle m'apporte grand-chose dans le match-up. Pour le moment d'avoir un tour avant. Donc je préfère utiliser mon Bomb Toss qui ne sert qu'à tuer des créatures ou faire deux dégâts pour deux. C'est cher, ça vaut pas le coup en fait. Hein. C'est juste parce que c'est la quête. Ok on a Mancric. on va pouvoir faire Quick Shot plus. Euh... Ah mieux. Mieux on va pouvoir faire du coup on the hunt. Ça, ça va infliger 3 points de dégâts parce qu'on va avoir une bête. Voilà. Hop. Là, il coûte 1. Chak. Là, il coûte 0. On va pouvoir commencer à taper. Prochain tour. On peut faire ça, ça ou ça, ça. On s'en fout. Et on pourra faire la quête la au T5. Vous voyez, on a quand même pas mal suffisamment de cartes de dégâts. Pour pouvoir l'avoir souvent au t 5 Ça joue quand même beaucoup si on pioche le Rapid Fire. On a quand même pas mal de tours pour le piocher. On va la chercher. On a d'autres dégâts. On a pas mal de... On a de la pioche finalement. On a Flare. On a, euh... on a le Tracking. Et on a des cartes qui génèrent un peu de value finalement. Regardez. J'arrive à avoir 4 cartes. Alors certes il y a la pièce. Mais j'arrive quand même à, à garder une... une agression relative. Une pression relative. Bon le... là il pioche Mancric. qu'on n'est pas très bien. On a le Dragon Bane. Ça c'est très 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 solide. Alors qu'est-ce que je fais Je vais prendre pouvoir avec là dedans et ça et ça. ça permettra de garder ça pour essayer de piocher. Tant pis pour les dégâts supplémentaires. Ok. Parce qu'en plus on a la pièce. Donc la pièce c'est très intéressant quand on a la pièce de la garder pour le Tavish. Ça, ça rajoute deux dégâts comme ça. Juste... Enfin deux dégâts plus le mana supplémentaire qui nous permet de lancer un autre sort qui nous permet donc d'infliger de euh, bah, d d dégâts donc potentiellement la, la pièce elle, elle, elle nous rajoute un dégât avant d'avoir l'étal enfin un tour avant d'avoir l'étal et quatre dégâts sur le tour si c'est avec, si avec euh, Dragonbane au tour d'après euh, c'est encore pire hein. là pour, voilà, pour, probablement sauf si on a besoin de gérer quelque chose Vous voyez ce qui peut être le cas ici hmm. ça peut être le cas aim shot je pense qu'on va juste jouer la 7-7 de toute façon, la 7-7, c'est obligatoire. La question maintenant, c'est est-ce que je garde mes cartes pour faire un tour intéressant avec Dragon Bane Ou je joue la pièce pour perdre la mana Non, on va juste faire ça. Hein. On va juste faire ça. Au prochain tour, on va pouvoir faire Dragon Bane, pi... enfin pouvoir, enfin Dragon Bane, pouvoir, pièce, pouvoir, aim shot, pouvoir. Et si on pioche un sort à 1, on ne fait pas le aim shot, on fait le quick shot et le sort à 1. Et on fait, euh, on fait un milliard de dégâts. Ce qui n'est pas dégueu. Sachant que lui, il a une 7-7 à gérer, ce qui n'est pas forcément le plus simple avec 6 de mana quand on est un Demon Hunter. Il y a une 5-4, hein, il pourrait aller dedans. Mais si nous, il tape dedans, on est bon. Ok, bon là, là on est moins bon. Mais bon, enfin, il prend tout son tour pour faire ça. Nous, ça nous va. Hein. Ok. Piercing Shot, est-ce que j'attends un tour ou je l'étale 5 Je le fais combien 21 fait que je fasse 21 Je joue combien de sorts j'ai dit euh, J'en joue que 3, Donc, on va attendre un tour du coup On va juste faire ça On va faire ça Paf On va faire ça Histoire de pas trop trop lui mettre de pression Tout en lui en mettant suffisamment Enfin, tout en clinant le board qui me, gêne, qui me gêne avec Dragon Bane en fait. Et là, plus on attend un petit peu, là je pense pas qu'il puisse me tuer. Ok. Ça, ça me va. Je joue une arme, tout ce que tu veux. Ça, un Sigil, je m'en fous. Prends ton temps. Qu'est-ce que c'est C'est une arme qui le soigne, ça me va. La de 2, 2 là par exemple. C'est une crasse un peu relou. Ok, un Fury Rank. Ça va très bien. Ok, on a gagné. Bien joué. Voilà, oh, là on a plus que gagné. Alors, hop, ça, ça va dessus. Ça fait 5. Boum. On fait ça. Ça va dessus. On relance ça. On lance la pièce. On tire. Il a, il a concede. Hein. Vous voyez tous les dégâts qu'on a. Et j'ai même encore 2 dégâts plus ça. Donc je refais 9 dégâts derrière. Là, c'était boucherie. Hein. Vous voyez, plus on a de cartes, plus on a de cartes qui coûtent pas cher. Plus on fait de dégâts, plus c'est n'importe quoi avec. Euh avec cette 3-5. Je pense pas qu'il y ait besoin de, de vous montrer plus de parties avec ce, avec ce deck. C'est vraiment hyper efficace, hyper simple. La, la seule, euh, la, le seul deck... Enfin, la même... Voilà, j'ai rencontré une seule fois un chasseur qui jouait une deck similaire avec la quête. Mais c'était un deck impair. Et je préfère la, la version que j'ai avec justement Dragon Bane. La version impair, on ne peut pas jouer Dragon Bane. On ne peut pas jouer des toss, On ne peut pas jouer les Quick shot Donc en fait, on, on va faire notre quête plus lentement. Et euh, une fois qu'on aura résolu la quête, on va faire moins de dégâts avec les Dragonbane, On fait, fait même pas piercing shock non plus. Donc on fait, je, alors, il me semble quand même avoir perdu, mais j'ai fait une sortie dégueulasse. Mais euh, parce que, alors, certes, le Poirier fait un dégât de plus, donc ça, même avec le, le Clockwork, ça, ça commence à faire pas mal de dégâts aussi. Donc, ça, ça, c'est une variante intéressante également. Si vous préférez jouer Baku, si vous préférez euh, euh, ne pas la jouer, euh, voilà, c'est vous qui voyez. Après Baku, ça, ça, voilà, ça implique que bah, une partie sur 30 vous allez avoir Baku en main de départ et ça va vous ruiner la game. Donc c'est également quelque chose qui euh, peut arriver. Sur les trois games que j'ai dû perdre, j'ai dû. Donc voilà, j'ai perdu contre ce chasseur-là qui m'a euh, ouvert la gueule et que j'ai fait une sortie un peu plus dégueulasse que la sienne. Euh, ça s'est joué à 2 PV. Je crois qu'il était à 1 PV à la fin. Et moi j'avais plus de cartes et il m'a défoncé. Euh, donc c'était quand même pas non plus euh, hyper. Euh, <laughs> c'était pas d'une du, un, Voilà. En un sens unique et la, une autre game que j'ai perdue de manière euh, euh, éclatante, et c'est à cause du deck, c'est j'ai eu en deux de départ, en enfin, main de départ la quête et les deux clockwork automato. Bien, je me suis fait rouler dessus face à un guerrier pirate, j'ai rien pu faire. Donc voilà, c'est le risque. Mais voilà, c est, c est un, vous ne pouvez pas gagner les, les, les 40 games d'affilée si vous faites que des si vous faites des sorties dégueulasses. Mais voilà, vous l'avez vu sur ces parties. Les sorties donc dégueulasses sont quand même très très rares. Et voilà, plus vous avez le temps, prenez le temps en fait. c'est si c'est un, un enfin connaissez matchup, mais si c'est un aggro, bah vous essayez d'aller plus vite que lui tout en gérant son board, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir votre 7-7, vous allez faire plus de dégâts qu'il n'en faut. Normalement, si vous, si, votre, voilà, si vous avez bien géré votre ressource, il ne faut pas que quand vous arrivez avec votre 7-7, bah vous n'ayez plus, plus aucune carte à jouer pour faire votre power week. mais c'est bien d'avoir justement les petits trackings et les petits, euh, et les petits secret plans qui nous permettent d'obtenir ces, ces sorts en plus pour infliger des dégâts supplémentaires, surtout avec... Les Clockwork automatons ou les N'hésitez pas à ralentir le jeu en sachant qu'est-ce qu'il peut vous faire si c'est un guerrier pirate et qu'il n'a plus de cartes, qu'il a joué sa quête certes, mais et que qu'il ne vous tue avec aucune carte, il peut piocher parce que vous êtes à genre 13 PV, même si ça lui fait, ça vous fait deux dégâts, ça vous fait à 9. plus euh, un hurle sang, il vous reste 2 PV, et il peut pas vous tuer avec euh, deux. Bah, disons que vous avez trois, euh, donc euh, vous aviez euh, parce que comme ça il a même la demain charge ne peut pas vous tuer. Et bien voilà, ne jouez pas autour du fait qu'il peut vous tuer. C'est juste mettez-vous en condition pour que vous puissiez vous mieux gagner et donc conserver vos ressources, conserver euh, les, voilà, vos dégâts au bon moment parce que c'est toute une gestion de quand est-ce que je peux réinitialiser mon pouvoir et quand est-ce que je fais un burst de dégâts monstrueux pour essayer justement d'optimiser Dragonbane et euh, les Clockwork Automatons. N'hésitez pas aussi à les jouer comme ça, euh, nu 4-4 pour 5, plus votre pouvoir à zéro qui fait 4 pour gérer un serviteur. Si euh, vous voyez, ça vous met en condition suffisante. Donc voilà, c'est la quête du délice parce que c'est beau, ça fait des dégâts, c'est jouissif à jouer parce qu'on bah, joue plein de petites cartes, on fait notre quête super rapidement, et puis derrière on joue euh, finalement le, le pouvoir du enduin, mais euh, au T5, quoi. Donc <laughs> c'est complètement con. Et puis voilà, donc ça vous fait bien farmer votre, euh, votre progression pour le, le, les 1000 victoires du chasseur si, si ce n'est pas fait, ou même les 500. Donc voilà, je vous conseille. Le deck n'est pas si cher que ça. Hein. Il y a la quête et une légendaire. Pour le reste, euh, le reste c'est du gratuit. Hein. Le reste c'est vraiment du gratuit. Donc euh, je suppose que si vous avez les cartes, euh, ça vaut le coup. Ces deux légendaires, c'est c'était quand même des. Enfin, celle-là c'est quand même incroyable et celle-ci, elle est juste très très forte dans ce deck-là. Donc euh, voilà, je vous conseille de, de foncer si, si vous voulez monter. Je pense que ça peut vraiment passer légende avec euh, pas mal. Et les, les games sont rapides. Hein. Les games sont rapides, on a fait 3 games en 25 minutes, même pas en 20 minutes, c'est le temps que je vous explique les decks. On a fait 3 games en 20 minutes, on les a gagnés, et c'est même pas le, le temps que j'ai fait une game avec le prêtre, donc <laughs> c'est donc très rapide. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, ciao ciao tout le monde.